Salut, moi c'est Léo et bienvenue à ce cinquième épisode de la musique en tout genre. Ouais, j'ai changé un petit peu la musique du générique, vous aurez remarqué que le son des instruments est de bien meilleure qualité. Bon, à la base, j'étais censé sortir à la place de cette vidéo la deuxième partie du cycle de deux vidéos sur la musique religieuse, donc qui allait traiter sur la musique chrétienne. Mais comme je l'avais dit sur un post sur Facebook, Snapchat et Twitter, ben, c'est un sujet beaucoup trop vaste et beaucoup trop compliqué à traiter en sans que la vidéo fasse une heure. Et donc du coup, ben, j'ai décidé d'annuler la vidéo. Et au final, la musique juive, c'était l'épisode 4. Juste épisode 4, pas de 4.1, 4. Aussi, je voulais faire une vidéo sur Piotr Ilitch Tchaïkovski, un compositeur russe, que je voulais la faire cet été. Et je voulais coûte que coûte la tourner à Saint-Pétersbourg. Hein. Je me suis dit, j'étais là-bas, bon, je vais en profiter. Sauf que bon, les conditions, soit j'avais pas le temps de tourner, hein, soit la météo me le permettait pas, c'est-à-dire il y avait de la pluie, il y avait trop de vent, du coup le son est dégueulasse, bref. Bref, rien à voir, aujourd'hui je vais vous parler d'un des plus grands groupes de métal de tous les temps, Metallica. Metallica est un groupe de thrash metal originaire de Los Angeles. Ouais, alors là je t'arrête tout de suite, mais on peut pas dire que Metallica ils font du thrash metal actuellement quoi. C'est vrai que les chansons genre Hard Wild ou Spill Out The Bone faisant partie de leur dernier album sorti en 2016, c'est vrai qu'il fait pas du tout thrash metal, hein. Ouais, mais genre Murder One ou le début de Am I Savage, bah il sonne pas du tout thrash metal, hein. Mais il en est de même pour Nothing Else Matters et Fight Fire With Fire, sortis respectivement en 91 et 84. Eh, c'est bon, hein. Bref, Metallica est bien un groupe de thrash metal originaire de Los Angeles qui s'est formé en 1981. Il fait partie de ce que l'on appelle le Big Four of Thrash, composé de Metallica, ça va de soi, Slayer, Megadeth et Anthrax. Le groupe est aujourd'hui composé de James Hetfield au chant et à la guitare rythmique, Robert Trujillo à la basse, Lars Ulrich à la batterie et Kirk Hammett à la guitare ligne, donc c'est lui qui fait tous les solos de guitare vachement stylés. Et je dis aujourd'hui composé car Metallica aura connu beaucoup de changements au niveau des membres, mais on y reviendra plus tard. Si Metallica est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à une annonce que Lars Ulrich a publiée dans le journal The Recycler, disant « Drummer looking for other metal musicians to jam with Tigers of Pantang, Diamond Head and Iron Maiden. » C'est un jeune skater du nom de James Hetfield qui vient sonner à la porte de Lars. Il se fera ensuite rejoindre par Lloyd Grant à la guitare lead et Ron McGovney à la basse. Bon, Lloyd Grant va se faire remplacer par Dave Mustaine 3 ans plus tard, mais il était quand même dans le groupe. Le groupe fit son premier concert le 14 mars 1982 à Anaheim, en Californie. Dans ce concert, ils ont joué plus de reprises que de compositions, parce que bon, ça faisait même pas un an qu'ils existaient, ça laissait pas beaucoup de temps pour composer. En décembre 1982, Ron McGovney décide de quitter le groupe. Il se fait remplacer quelques semaines plus tard par Clifford Lee Burton, ou tout simplement Cliff Burton. Peu avant l'enregistrement de leur premier album, les membres du groupe se sont rendus compte du comportement violent qu'avait Dave Mustaine dû à son addiction à l'alcool. Ils ont donc décidé de le virer. Il se fera remplacer par le saint Kirk Hammett. Oui, vous aurez compris que je l'aime bien. Dave Mustaine va former de son côté son propre groupe, Megadeth. C'est en juillet 1983 que sort le premier album de Metallica. Celui-ci était censé s'appeler Metal Up Your Ass, ce qui veut dire du métal dans ton cul. Mais bon, les producteurs, elles étaient plutôt du genre... Non, vraiment pas, non. Alors du coup, au final, l'album s'est appelé Kill 'Em All, ce qui veut dire tuer les tous. C'est pas vraiment mieux, en fait, hein. C'est l'année suivante, en 1984 donc, que sort leur deuxième album, Ride the Lightning. Celui-ci contiendra de nombreuses chansons qui sont très connues, comme par exemple For Whom the Bell Tolls ou encore Fades to Black. Deux ans plus tard, en 1986, sort un des meilleurs albums selon moi, Master of Puppets. Cet album a été certifié du disque de platine le 9 juin 2003. Ah, c'est vrai qu'on est mieux là. Alors que le groupe faisait une tournée européenne, c'est en se dirigeant vers la ville de Copenhague au Danemark que le tourbus de Metallica a un sérieux accident sur une route suédoise. Les membres du groupe avaient choisi par un jeu de cartes
qui allait bénéficier des meilleures couchettes dans le bus, car selon Kirk Hammett, celles-ci étaient de très mauvaise qualité. C'est durant la nuit du 26 septembre 1986 que le chauffeur perdra le contrôle du bus, ce qui causera un accident provoquant des tonneaux. Après l'accident, les membres du groupe voulaient voir si tout le monde allait bien. And I heard everyone screaming except for Cliff. And I thought, oh my god, something's wrong. And I turned around and I saw Cliff's leg sticking out from underneath the bus. I went to, you know, pull him out, wake him up or whatever. It's like, you know, he's not moving. C'est donc le 27 septembre 1986 que c'est un Clifford Lee Burton, le bassiste iconique de Metallica. Il a été intronisé à titre posthume au Rock and Roll Hall of Fame et le magazine Rolling Stone l'a classé 9e plus grand bassiste de tous les temps. Metallica réalisera en 1987 une compilation de vidéos nommée Cliff M. Hall en hommage à leur ancien bassiste décédé. C'est vers fin octobre 1986 que Cliff Burton est remplacé par Jason Newsted. En août 1988 sort leur quatrième album nommé And Justice for All. C'est un album assez dark au final, il parle de mort, de folie, d'injustice, de douleur. Ça sera la troisième meilleure vente du groupe puisque l'album s'est vendu à 19 millions d'exemplaires. Celui-ci contient une des chansons de Metallica les plus connues, One. Le groupe jouera d'ailleurs cette chanson durant la 31e édition des Grammy Awards. Mais ce n'est que l'année suivante que le groupe va gagner son premier Grammy grâce à la chanson One dans la catégorie de la meilleure performance métal. Et c'est en août 1991 que sort selon moi le meilleur album de Metallica, j'ai nommé Metallica. Quoi ? Ah ok, l'album s'appelle Metallica mais il est surnommé Black Album par les fans et par le groupe aussi, en référence à la couleur de la pochette de l'album qui est noire. Cet album est le plus grand succès de Metallica avec plus de 30 millions d'exemplaires vendus. On y retrouve des morceaux iconiques du groupe comme par exemple Enter Sandman, Nothing Else Matters ou encore The Unforgiven. Un accident arrive, moins grave que celui de Cliff Burton, durant un concert de Metallica. Alors que le groupe jouait la chanson Fade to Black, James Hetfield sera au mauvais endroit au mauvais moment puisqu'il recevra des brûlures au 2e et 3e degré dues aux effets pyrotechniques qui ont été installés pour le concert. En 1996 sort l'album Load. Et les fans sont plutôt déçus après l'énorme succès du Black Album, car celui-ci serait moins métal que ce que le groupe fait d'habitude. Un autre album sort l'année suivante, un peu moins connu celui-là, il s'agit de Reload. En 1998 sort Garage Incorporation, un album composé uniquement de reprises d'autres groupes, hein, comme par exemple Black Sabbath, Motorhead, Diamond Head ou encore Queen. J'ai dit que le Black Album était mon album préféré de Metallica ? Pardon. C'était sans compter S&M. Bon, c'est pas vraiment un album, c'est plus un concert filmé. Mais putain, quel concert ! Dans ce concert, Metallica joue ses chansons les plus connues avec l'orchestre de San Francisco sous la direction de Michael Kamen. Celui-ci a également fait l'arrangement des chansons pour l'orchestre. En tant que grand fan de métal symphonique, vous comprenez pourquoi c'est mon préféré. Et c'est pas genre l'orchestre qui joue la même chose que la guitare et la basse qui font toi ta derrière, non, eux ils ont leur propre partie. Dans cet album, je vous conseille surtout For Whom the Bell Tolls. Master of Puppets. Et Enter Sandman. En 2000, Metallica prête une de ses chansons, I Disappear, à la bande originale du film Mission Impossible 2 réalisé par John Woo. Durant cette même année, Metallica va faire quelque chose qui va énormément nuire à sa réputation. Ils vont mener un combat contre le téléchargement illégal de musique après avoir découvert que tous leurs albums étaient librement disponibles sur le site Napster. Suite à des poursuites judiciaires, le site a été obligé de bannir des centaines de milliers d'utilisateurs. Suite à des injures qu'il aurait reçues, Jason Newsted quitte Metallica en 2001 et commence à s'occuper de son propre projet nommé Echo Brain. En attendant d'avoir un nouveau bassiste, Metallica va jouer des concerts avec d'autres groupes comme par exemple Motorhead ou The Ramones. Cela durera 2 ans avant que le groupe puisse trouver un bassiste, Robert Trujillo, ou comme il le dit si bien lui-même, Roberto Agustín Miguel Santiago Samuel Trujillo Veracruz. C'est dans la même année que sort l'album Saint Anger. Durant l'enregistrement de l'album, Robert Trujillo n'avait pas encore rejoint le groupe. C'était donc le producteur Bob Rock qui jouait les parties de basse.
Il faut savoir que cet album est le seul album de Metallica à ne comporter aucun solo de guitare. Du Metallica sans solo de guitare? Vous vous foutez de notre gueule, les mecs? Après, ça sera quoi? Du metal symphonique sans orchestre? Du black metal chrétien? Bref, c'est en 2008 que Metallica sort son 9e album, Death Magnetic. Dans cet album, Metallica retrouve ses sonorités imposantes de ses débuts et des solos de guitare. Ah bah quand même. En 2013 sort le film Through the Never, qui raconte l'histoire d'un mec qui doit récupérer un objet pour un concert de Metallica, et on y voit des extraits filmés du plus gros concert qu'ils aient jamais donné, puisqu'ils jouaient sur une scène de 1200 mètres carrés. C'est beaucoup, oui. Metallica sortira un album entièrement consacré aux musiques apparaissant dans le film. En décembre 2013, Metallica rentre dans le livre des records, puisque c'est le premier groupe à avoir donné des concerts sur les 7 continents en une année. Et oui, Metallica a fait un concert en Antarctique, sur les îles Shetland du Sud. Vu la température, ça doit pas être terrible pour la voix. Ce concert porte le nom de Freeze Them All. Suite aux attentats qui ont eu lieu à Paris le 13 novembre 2015, Metallica a mis en vente les DVD du live du concert qu'ils avaient fait au Bataclan en 2003, et tous les fonds récupérés ont été donnés aux familles des victimes. Ce live porte le titre de Liberté, Égalité, Fraternité, Metallica. En novembre 2016, sort le 10e album de Metallica, Hardwired to Self-Destruct. Alors, vous pourrez dire ce que vous voulez, mais perso, j'adore cet album. C'est vrai que la première chanson de l'album, quand je l'écoutais, j'ai adoré. Alors, on va voir ce que ça donne ce nouvel album. Putain, c'est trop bien! Mais bon, ils vont jamais battre System of a Down. Eux, ça va faire 13 ans qu'on attend leur nouvel album. Aujourd'hui, les membres de Metallica ont entre 52 et 54 ans. Et malgré leur âge, ils gardent une forme olympique. Et je pense qu'ils vont continuer à jouer pendant encore longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, Metallica a gagné beaucoup de récompenses. Comme par exemple, 9 Grammy Awards, 2 MTV Video Music Awards, 4 Billboard Music Awards, 5 Kerrang Awards et bien d'autres récompenses. Vous vous en doutez bien. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous pouvez la liker, la commenter, la partager avec vos amis. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et évidemment vous abonner à la chaîne. Pour le prochain épisode de la musique en tout genre, je vais parler de musique un peu plus soft, histoire de décompresser un peu. Allez, salut !